Je reçois maintenant Robert Lamoureux pour la parution chez Plon de Par 36 chemins, un récit autobiographique dans lequel Lamoureux égrène à travers papa, maman, la bonne et lui, le chapelet de ses souvenirs souvent émus, parfois amers, d'un demi-siècle de scène. Et comme on le disait tout à l'heure et comme on le dit depuis 50 ans, rassurez-vous, le canard est toujours vivant. Salut Robert. Alors, Par 36 chemins, c'est donc votre autobiographie qu'on voit à l'image pendant qu'on discute tous les deux. On va en parler, bien sûr. Avant, je voudrais dire un mot de la pièce. Donc, ça s'appelle « Si je peux me permettre ». C'est au Théâtre des Nouveautés. Au Théâtre Saint-Georges. Saint-Georges, pardon. Troisième année. Troisième année, oui. 600 représentations. 824. Non. Oui. Ah bah, dis donc, c'est encore plus fort que ce que je croyais. 824. Oui, oui. Je crois même que c'est 834. Et c'est rare à notre époque, parce qu'avant, c'était assez courant, ça, finalement. Hein. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, Jean-Pierre, bon, quand il avait fait Le Tournant, il avait fait 900 fois. La pièce de Ionesco qui est jouée depuis 1950 à la Huchette, Boeing Boeing, pendant 20 ans. Le record, je crois que c'est Patate. C'est possible, oui. Plus de 1000 en tout cas. 2255. Non, c'est énorme. J'aurais pas pu. Et vous, vous êtes monté, alors les statistiques incroyables, vous êtes monté 16 000 fois sur scène. Oh oui, même plus que ça. Ah bon? Plus que ça, parce que j'ai jamais fait que du théâtre. Après le théâtre, j'allais faire du cabaret. Oui. Ah oui, c'est vrai que vous faites partie de cette génération qui, en sortant du théâtre, allait vite à l'Amiral, à l'époque de Jean-Marc Thibault, les années 50, et Roger Pierre. Et ailleurs, mais enfin, je remontais régulièrement deux fois sur scène par jour. Ah ouais. Alors ça fait... Oui, ça fait peut-être même plus que 16 000, alors. Oui, oui, ça fait 32 000. Alors la pièce, bon, on en dit un mot, c'est plus un spectacle de chansonnier qu'une pièce de théâtre, non, si je peux me permettre. Oh oui, on peut dire ça, mais enfin, il y a quand même une pièce construite. Bien entendu. Et à partir de cette solidité-là, cette structure, il arrive que les événements extérieurs jouent un peu. On a le reflet des... Oui, vous en rajoutez un peu, quoi. Ça arrive, oui. Alors, il y a Balutin, le fameux Jacques Balutin, qui, lui, fait un personnage un peu à la Bernard Tapie. Et puis, il y a vous qui rêviez de jouer un personnage de Larbin. Et là, pour le coup, vous le jouez. On se régale, oui. On se régale. On se régale, oui. Alors, on va passer à votre bouquin, parce qu'en fait, c'est votre autobiographie. Donc, vous êtes né en 1920, ce qui fait que vous allez bientôt avoir 80 ans, comme on le disait tout à l'heure. De père inconnu, pas vraiment, c'est ce que vous dites au début de votre livre, parce qu'en fait, votre père, votre mère l'avait connu dans un hôpital après la guerre. C'est une formule administrative. Oui, c'est ça, oui. Et de père inconnu, ma mère le connaissait. Elle le connaissait très bien. D'ailleurs, en 1932, vous racontez ça dans votre bouquin, elle vous emmène un jour du côté d'Angoulême pour rencontrer votre père que vous connaissez à l'âge de 12 ans, quoi. Ouais. C'est trop tard. Ouais. Mais enfin, pour moi, ça a été trop tard. Le pire, c'est qu'il est mort en 1932, donc finalement... C'était trop tard dans tous les sens. C'était trop tard, c'est un peu ce que je voulais dire. Et vous, alors, un jour, vous retrouvez un fils caché à vous aussi, c'est-à-dire vraiment... Oui. Hein? Ça, c'est les événements, c'est les suites de guerre, ça. C'est les suites de guerre, puis aussi, c'est avant la pilule, quoi. C'est-à-dire que maintenant, maintenant, ça ne se produirait plus. Bah ouais, les romanciers vont être... Et puis enfin, elle serait prise en charge, elle aurait... Ils vont être embêtés, les romanciers, maintenant, parce qu'il n'y aura plus d'enfants cachés qui ressortiront. Ah oui, oui, c'est fini. Alors dites-moi, vous avez, dans le livre, vous dites que vous avez le certificat d'études. Ah oui, 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 oui. Oui. Ça, j'affirme. Oui, oui. Mais dans le Wouzou, vous dites que vous avez le brevet, vous avez un peu exagéré. Non, ils se sont trompés, mais je n'ai jamais osé dire que j'avais le brevet. D'accord. Alors, vous racontez, alors bon, on va pas tout raconter, mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que bon, vous avez une vie... Donc en 40, vous faites la drôle de guerre, vous vous retrouvez dans les chantiers de jeunesse, ensuite dans les Cévennes, et vous dites, contrairement à beaucoup de Français qui sont vantés d'avoir été des grands résistants, vous dites finalement la résistance, j'y suis venu tardivement et sans grand risque. C'est vrai. Oui. C'est vrai. J'ai navigué de façon à ne pas me faire prendre par les Allemands, mais je ne me suis pas beaucoup soucié d'autre chose, en vérité. Alors un jour, bon, vous constatez, vous dites mon mariage est un échec, hein, et vous partez en Algérie. Alors, c'est marrant, il y a un truc que je ne comprends pas avec vous, parce que quand même, bon, vous deviez avoir du succès dans toutes ces années, comme ça, vos années de gloire, disons, début des années 50, et vous déclariez à l'époque, ça c'est pas dans votre livre, mais vous déclarez ça dans la presse de l'époque, vous dites « je ne reçois jamais de lettres de femmes ». C'est vrai, ça, les filles, vous... J'ai reçu les femmes, mais pas les lettres. Ah bon, d'accord, vous n'avez pas besoin de passer par des lettres, c'est ça, oui. Non, vous êtes quand même un des seuls qui a pu se permettre de se refuser à Piaf. Alors, je ne me suis pas vraiment refusé. Oui, 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 je peux dire ça, oui. Oui, à prescription, elle avait, maintenant. Mais enfin, je veux dire qu'elle avait... Elle en avait d'autres, hein. Elle en avait d'autres. Il y en avait d'autres, mais enfin, vous êtes... J'aurais été un parmi les autres. C'est ça qui ne me plaisait pas, en dehors du fait que, physiquement, je n'éprouvais aucune attirance pour cette femme. Dites-moi, alors, il y a un truc que vous ne racontez pas dans votre bouquin, c'est la nuit que vous avez passée, un jour vous quittez, je crois, Bruxelles, vous passez la frontière franco-belge dans une voiture avec Michel Mercier en 58, oui.
Et il y a une congère de neige, vous tapez dans la congère de neige et vous passez la nuit chez des paysans du coin avec Michel Mercier. Pourquoi vous ne racontez pas ces trucs-là dans votre bouquin? Parce que je l'ai oublié. Vous avez peur que votre femme vous engueule? Oh, pas du tout. Je l'ai oublié. J'ai oublié. Ça n'a été qu'un incident, finalement. Il ne s'était rien passé avec Michel Mercier cette nuit-là. Bon. Alors un jour, après, en 1960, vous rencontrez celle qui est devenue votre femme et qui est toujours avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire Magali. Elle tient. Elle tient le coup. Alors, vous partez en Algérie, donc après l'échec de votre mariage avec Simone. Vous êtes à Colombéchard, dans une mine où on sort 2 seaux de charbon par jour, c'est assez pittoresque. Et mais vous étiez comptable ou installateur de frigidaire? Non, non, j'étais comptable. Comptable? Enfin, comptable, non, j'étais facturier en vérité. Facturier, oui. Alors là, vous commencez à composer des chansons, à écrire des petits poèmes, dans votre temps libre, là-bas, à Colombéchard. Et quand vous rentrez en France, vous réparez des machines à écrire, vous montez une petite boîte. Alors là, je voulais, vous rentrez un jour, parce que votre vie, c'est quand même ça, c'est le grand hasard de votre vie, vous rentrez aux éditions musicales Maurice Vander. Et alors là, moi j'ai lu 2 versions. Dans votre livre, vous dites que la personne qui tenait les éditions Maurice Vander, c'est Madame Legrand, qui est la sœur de Raymond Legrand. Moi j'ai lu dans la presse que c'était Georges Élian, le frère de Jacques Élian. Ah non, non, pas du tout. Vander, c'est un lieu de rencontre, et puis on en est parti après 3 minutes de conversation. Et puis je me suis retrouvé chez le frère de, Madame Legrand, la mère de Michel, et qui tenait, elle, une boutique de musique. Oui, mais pourquoi dans la presse, à un moment, on a dit que c'était Georges Élian, le frère de Jacques Élian, qui vous avait... Non, mais la personne que j'ai rencontrée chez Vander, c'est Georges Élian. Ah d'accord. Voilà. Ah, c'est pour ça, d'accord, c'est clair. C'est Georges Élian qui m'a dit, j'aime ce que vous faites, venez voir ma sœur. D'accord, et alors là, on vous emmène voir Yves Montand qui prend votre chanson tout de suite. Oui, oui. Comment ça s'est passé? Ben, très bien, à ma grande surprise d'ailleurs, mais enfin bon, je l'ai chanté moi accompagné par Georges. Ouais. Et puis il a dit, ça me plaît, je prends, j'enregistre. Et en effet, il a fait le disque dont vous connaissez la suite. Bien sûr. On l'a jamais vendu. Oui. Et après, vous avez fait une chanson pour Dassary, qui à l'époque était quelqu'un d'assez connu. Alors là, vous passez une audition au Central de la Chanson, qui était quoi? Un peu comme un radio-crochet, comme un... Oui, genre là. Un peu Graine de Star, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Et alors, à vos débuts à la Taverne de la République, on mettait votre nom sur le plat du jour, comment ça se passait? Ah oui, oui. En fait, c'était pas sur une ardoise, c'était sur la vitrine dehors. Oui. Et on faisait le menu du jour, et en effet, je l'ai photographié, il y a marqué Côte de Porc charcutière, Robert Lamoureux, fromage, dessert, c'était emballé avec le reste. Et alors là, il y a eu 2 choses très très importantes dans votre vie. La première, c'est qu'un jour, vous devez faire une émission de radio avec quelqu'un qui était bien connu à l'époque, qui s'appelait André Kubnik. Vous l'appelez en lui disant, écoute, je vais pas venir dans l'émission, je suis désolé, je viens pas. Lui, il vous engueule comme du poisson pourri. Oh, oh. Et là, vous écrivez en 1 heure, papa, maman, la bonne et moi, quoi. Oui. Et vous l'avez écrit comment? C'est-à-dire chez vous avant de partir? Oui, chez moi, soyons francs, dans les toilettes. Oui. Je suis entré dans les toilettes pour des raisons vraiment personnelles, mais j'avais emmené un vieux cahier sur lequel j'avais écrit les 3 premiers vers d'une chanson dont je n'avais même pas l'intention de la finir un jour. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour cet après-midi. Donc j'ai donné une suite à la chanson et ça a été un boum. Voilà. C'est un triomphe. Et alors, je n'écris pas que là, je précise. Je ne peux pas croire que je me mets dans les toilettes. Alors une autre fois, c'était dans un taxi. C'est pareil, encore un coup un peu comparable. C'est à la télé, vous deviez faire une émission d'Henri Spad qui s'appelait La joie de vivre. Ouais. Alors je vais vous dire, il y a une faute dans le livre là. Il n'y a pas de E à Spad dans votre livre. Non. Ben, Henri Spad, il y avait un E. Ah, il y avait un E. Tiens donc. Ben, je vous le dis. Oh, je vais m'excuser. Non, non, c'est pas ça, mais vous savez, c'est un détail. D'ailleurs, Spad, c'est pas son nom entier, c'est la moitié. Ah bon? Il s'appelait comment? Spadolini, je crois. Ah, Spadolini. Me semble-t-il. Ah bon? Alors un jour, donc, vous allez faire La joie de vivre, vous prenez un taxi pour aller à l'Alhambra, et pareil, vous ne saviez pas du tout ce que vous alliez faire, et vous êtes souvenu d'une nouvelle de Mark Twain, comment ça s'est passé? Oui, oui, on m'avait offert une anthologie des humoristes anglais et contemporains, et dedans j'avais été très frappé par les aventures de l'oncle Podger, à qui on demandait d'accrocher un tableau. Il dit, laissez, on va pas appeler un ouvrier pour ça, je vais le faire moi-même. Je dis, de quoi, l'immeuble était dévasté. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à accrocher le tableau dans la nouvelle de Mark Twain, mais l'immeuble, tout le monde y participait, et ça vous a donné l'idée de La chasse au canard, qui est devenu un des grands classiques de l'humour francophone, on peut dire, parce que c'est connu partout. Enfin, Hassan II, un jour après un attentat, a dit, en 93, Hassan II a été victime d'un attentat, enfin d'une tentative d'attentat, bien entendu, et il a dit, le canard est toujours vivant. Oui, oui, il l'a vraiment dit. Alors là, vous devenez une star comique, enfin, vous devenez en quelques mois une énorme star, non? Quelques années, disons. Quelques années, oui. Ouais. C'était quand, ça? Au début des années 50, 52, quoi. En 52, 53, oui, c'était le plafond. Oui. Ensuite, ça a fléchi jusqu'en 60. Alors là, bon...
théâtre, gros succès sur scène, disons, théâtre, cabaret, tout ça. Le cinéma, vous dites, j'ai jamais été très cinéma ni très télé parce qu'il n'y a pas de public. C'est un art qui me restera étranger, vous dites. Oui, c'est vrai. C'est l'absence de public, le fait d'attendre entre les prises, tout ça, c'est pas votre truc, quoi. Ouais, c'est pas du tout mon truc, non. Ouais. Alors, vous avez quand même fait au cinéma, alors on pourrait ricaner en disant la preuve que le cinéma vous restera étranger, c'est que vous avez fait « Mais où est donc passée la 7e compagnie ?» Parce que, comme vous le savez, ça peut être, ça a été bien critiqué, puis il y en a pour qui c'est un film culte. En tous les cas, chaque fois qu'il passe à la télé, c'est un triomphe, quoi. Oui, oui. France 3, il l'a encore passé il y a un mois, je ne sais plus combien ils ont fait, mais c'est énorme. Oui, oui, oui. Alors, Mondi, Lefebvre, Mathione, après vous faites « On a retrouvé la 7e compagnie en 75 oui. » et la troisième, la 7e compagnie au clair de lune, ça s'est moins bien passé. Là, c'était oui, un bide en 77. Ouais. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'était la troisième. Déjà, la deuxième, ça pouvait discuter, mais la troisième, c'était... Parce qu'on n'aurait pas dû. Ouais. On n'aurait pas dû, ouais. Ouais. Alors, en 55, vous avez un passage à vide. Alors, tout ça n'est pas raconté. Vous y faites allusion, je dirais, dans votre livre. Ah, oui. Mais des fois, vous avez un petit peu de tendresse pour vous. C'est normal quand on écrit ses mémoires. Ce qu'on peut dire, en tous les cas, c'est que vous n'étiez pas préparé au succès. Vous avez réussi un peu trop facilement et ça vous a un peu tourneboulé la tête, non? Sûrement. Je ne crois pas qu'on échappe à ça, d'ailleurs. Oui, c'est pas possible. On passe tous par là à un moment, oui. Non, ce n'est pas possible. Vous aviez honte de gagner de l'argent aussi facilement, parce que vous êtes d'une origine, on ne l'a pas dit, mais enfin, votre mère était receveuse dans les tramways. Oui. Vous êtes de Saint-Mandé, d'une famille très simple. Hein. Et vous avez un peu honte d'avoir gagné de l'argent aussi facilement, c'est ça? Honte, c'est pas, ça va pas jusque-là, mais en effet, je sentais quelque chose n'était pas... Ouais, n'était pas à sa place, quoi. N'était pas normal, tout. Ouais. Et est-ce que le public, vous en voulait pas un petit peu aussi d'avoir quitté votre première femme? Est-ce que les gens n'étaient pas un peu... Ils ignoraient ça. Ils ignoraient ça. Ouais. Ils ne reprochaient pas à votre seconde femme d'avoir de l'influence sur vous, choses comme absolument ça. Absolument pas. Et alors, dans les années 60, vous avez un vrai trou, là, au début des années 60, hein, à un moment, moi, j'ai retrouvé un article de presse où vous dites en titre, parce que vous aviez la dent dure, hein, vous dites, le public m'a oublié, tant mieux. Ah, non. Non, mais j'ai dit, tant mieux dans la mesure où je n'ai plus envie de... J'ai plus envie de... Ouais. De oui, vous avez un vrai trou à un moment. D'appartenir au spectacle. Oui, c'est ça. Ce sera moins grave pour lui, à supposer que ce ouais. soit grave. Ouais. Et ce sera en tout cas beaucoup moins grave pour moi. Mais vous étiez quand même une forte tête, parce que déjà, vous aviez la réputation de certains contrats, vous ne les respectiez pas. Il y a eu l'histoire de Knock, où vous aviez accepté de jouer Knock, et puis finalement, un jour, vous êtes mis devant la glace, vous dites, je ne veux pas faire Knock, enfin, je ne suis pas Louis Jouvet. Mais bon, vous aviez signé, il y a eu Turlututu. Non, là, là encore, il y a toujours une rectification, c'est que j'ai confondu contrat et protocole. Ouais. On m'a fait signer un protocole. Et moi, ouais. j'ai cru qu'un protocole, c'était une façon de causer. On mettait un terme en signant en bas ouais. et au crayon. Ouais. Donc, ça ne m'engageait pas. Ouais. Or, ce n'était pas ça du tout. Oui, c'était un contrat. Il y a eu l'affaire de Turlututu aussi. Remarquez, c'est rigolo. Mais vous avez, Marcel Achard, je crois qu'il l'a écrit pour vous, Turlututu, non? Oui, oui. Enfin, il l'a écrit en tous les cas. Et vous avez ajouté des répliques. Ça s'est très mal passé avec l'auteur. Non, ça s'est très mal passé le soir de la générale. Ça ouais. a été un bide effroyable. Ouais. À la suite de quoi, la direction et en même temps le préfet de police de Paris, qui était un ami de la directrice, ils sont montés dans ma loge à l'entracte en ouais. disant fais n'importe quoi, mais sauve les meubles. Ouais. Et on n'a pas sauvé les meubles. Mais comme on était engagé pour au minimum 3 mois, ouais. au cours des 3 mois, j'ai tenté quand même de réparer les choses. Ah, d'accord. Je vais plus loin. Marcel Achard est venu certains soirs, il me disait, sur mes ajouts à moi, il me disait, oui, ça, j'aime pas. Ouais. Ah, mais ça, j'adore. Ouais. Enfin, bref, on a tout reconstruit comme ça. Ah, d'accord. C'est Madame Achard qui a voulu faire un procès ouais. qui n'a pas été à son terme. Non, mais ça, c'est des trucs que vous racontez pas dans votre bouquin, que j'ai retrouvé dans la presse de l'époque, dans la presse ouais. des années 50. Il y avait ouais. effectivement des polémiques. Oui, en plus, enfin, vous teniez tête à la presse aussi. Hein. Vous étiez une forte tête, oui, hein, comme oui, je disais. Oui, oui, hein. oui. oui. Sacré caractère, quand même. Alors, vous dites à la fin de votre livre, vous dites, il m'a manqué d'être sociable. C'est-à-dire que vous êtes jamais vraiment rentré dans le milieu du spectacle, vraiment. Hein. Je ne m'en vante pas. Mais à part un dîner chez Vincent Auriol, et puis la comtesse dont vous parlez dans le bouquin. Non, j'ai rencontré des tas de gens que je suis heureux d'avoir rencontrés. Mais c'est vrai que je ne suis pas très dîneur et très déjeuneur, ni très surprise partie. Ouais. ni week-end chez les amis. C'est ouais. pas mon genre, oui. Est-ce que ça vient pas aussi de, finalement, d'un problème de classe sociale? Parce que, finalement, vous êtes d'une classe sociale très simple. Est-ce que vous n'avez pas un manque d'habitude, comme ça, de fréquenter les gens, c'est une espèce de timidité? Manque d'entraînement. Oui, c'est ça, oui. Manque d'entraînement. Oui. Alors, en revanche, bon, quand je dis que vous êtes une forte tête, il y a eu quand même des jours, ça aussi, vous n'en parlez pas dans le bouquin, mais c'est plutôt à votre honneur. Il y avait une émission qui s'appelait L'invité du dimanche en 1970, et ils avaient invité un type qui s'appelle Cyrus Rezvani, et lui avait un document sur Jane Fonda et Jean Genet qui était très anti-américain. Bon, la direction de la chaîne à l'époque annule la présence de Cyrus Rezvani, vous acceptez d'y aller,
Et au moment où, vous apprenez que vous remplacez quelqu'un qui avait été censuré, vous dites « je n'y vais pas ». Donc c'est plutôt courageux, ça. Oui, ça se fait pas, ça. Ouais. Alors à la télé, vous savez que c'est la première fois que c'est arrivé, vous savez que c'est un événement. C'est la première fois qu'un invité ne venait pas dans une émission. Et à la place, ils ont passé un film à la place de votre émission. À la place de l'invité du dimanche, ils ont été obligés de passer un film, puisque vous n'étiez pas là. Bah oui. Voilà. Sinon, alors, la santé, vous levez toujours à 5h du matin ? Oui, le plus souvent, oui. Vous faites la sieste, quand même ? Oui. Vous faites quoi ? 2 heures de sieste après, oui, c'est ça ? Oui, à peu près. Ouais. Donc ça, finalement, c'est comme si vous faisiez à 7h. Vous vivez de l'eau depuis 47, c'est ça ? En Algérie, vous avez pris une cuite, et vous n'avez pas pris une cuite. Ah, oui, vous avez commencé à picoler, vous avez eu peur. Oui, oui, et vous vous êtes peur, oui. Voilà. Et vous vous êtes dit, je ne vais plus jamais boire de ma vie. Je n'ai plus jamais bu. Plus jamais, jamais ? Non, plus jamais. Quel courage. Ouais, c'est-à-dire que quand vous levez une coupe de champagne, vous ne la buvez pas, vous la reposez, quoi. Exactement. Mais je la lève. On ne me reproche rien. Ouais. Alors, les rides, vous n'en avez pas plus que quand vous aviez 40 ans, hein, parce que vous avez toujours eu des rides. Non, mais hein, pas moins. Pas moins, pas plus, quoi. Hein, vous êtes finalement... Et vous avez quand même des migraines. Vous en avez toujours des migraines ? Non, plus du tout. Depuis que vous avez divorcé ? Depuis que j'ai divorcé, oui. C'est une suggestion. Ça peut servir. Ça peut servir. En revanche, vous avez de l'acouphène, c'est quoi la... Des acouphènes, c'est des bruits dans les oreilles. Donc des fois, comme ça, vous entendez des sifflements ou des ronronnements ? Pas des fois, tout le temps. Oh là là. C'est permanent et irréversible. Et irréversible. Mais on s'en fait des amis et en un an ou deux, on s'y accoutume. Et maintenant, je me dis, si je ne les entendais pas, c'est que je serais mort. Ouais. Donc là, maintenant, vous vivez avec vos acouphènes. Je les écoute pour me redonner du courage. En tous les cas, vous avez l'air très en forme. Hein. Bravo. Ça vous va. Êtes bien. On était ravis de vous avoir. Je le dois au public. Oui. Ben, il vous aime. Et je crois ce que je dis. Merci, Robert. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.